Bonjour. Bon matin. Cette semaine, on va revoir tous les rituels beauté. On va les laisser aussi, on va les déposer sur le site. Comme ça, si vous commencez avec nous, vous allez pouvoir choisir votre rituel beauté. Changer aussi d'un jour à l'autre ou rester avec le même, puis surtout retrouver une peau saine, un confort de peau, une peau douce, pulpée, et travailler votre beauté, votre bien-être. Allô? Allô, Marie-Lise? On commence par la base. On va commencer par le rituel ayurvédique. Pour toutes les peaux sèches, les peaux avec des boutons, des peaux. Peu importe, et même si, je vous dirais, si vous commencez avec nous, commencez par ce rituel, parce que nos soins sont très performants, sont très, comme on est dans le 100% actif et qu'on ne retrouve pas ça dans le traditionnel, c'est bon de commencer par la base, puis après ça, ajouter nos sérums actifs ou nos masques qui sont hyper performants. Je vais commencer en attendant En attendant Nathalie, je vais commencer avec. Et ça ne prend aussi ce que j'aime, c'est que ce rituel, qui est bon pour tous les âges et qui est bon, tu sais, si vous êtes adolescent, vous avez des boutons, c'est le rituel aussi à s'offrir. Je vais vous montrer aussi comment utiliser le rouleau et la pierre. On a maintenant la pierre en jade, donc pour le gua sha. Je veux vous montrer comment c'est facile aussi prendre soin de sa peau de façon 100% naturelle. Évidemment, toutes nos formules sont véganes et sans cruauté. Pour une peau ridée, Huguette aussi. Donc, une peau ridée souvent est déshydratée. Les ridules se forment quand la peau est déshydratée, manque d'eau. Donc, nous, avec ce rituel, on redonne de l'eau florale, de l'eau d'aloès à notre peau. Donc, elle se pulpe et les ridules s'estompent. Et après, avec la pierre et avec le rouleau, on va aussi les repasser. On va aussi défaire les tensions. Donc, les résultats sont vraiment beaux. Et j'ai envie de faire le gua sha avec vous à tous les jours pour vous montrer comment, à la longue, le visage se lift. Coucou, Nathalie. Donc, comment on enseigne à notre peau à rester vraiment belle. Et moi, là, je parle de soins anti-âge parce que ça me concerne, mais pour une peau jeune, le rouleau, la pierre va aider aussi si vous avez des boutons, encore une fois, si on draine, si on active la circulation ou où on bouge la lymphe, si on veut, doucement, gentiment avec le rouleau, elle peut mieux éliminer. Donc, c'est vraiment fantastique pour tous les âges et je trouve aussi merveilleux qu'on puisse, en bas âge, commencer à prendre soin de notre visage, à s'offrir un 5 minutes, 10 minutes le matin pour venir, tu sais, prendre soin de notre peau. Ma tante a fait des bandeaux, je suis allée en chercher ce week-end, Julie, donc ces bandeaux. Vous allez les voir probablement apparaître aujourd'hui. Si vous êtes inscrit, quand vous voyez sur notre boutique en ligne qu'il manque qu'il y a un produit que vous aimez, ben, vous pouvez cliquer sur Avertissez-moi quand ça revient. Voilà. Si vous avez une peau avec des boutons, c'est le soin à vous offrir. Et si vous n'avez pas de budget, c'est aussi le soin à vous offrir. Donc, je vous dirais, pour commencer avec nous, ça ne prend que trois formules, vraiment pour retrouver une lumière, un confort, pour calmer les glandes sébacées qui vont moins sécréter de sébum, tout ça pour aider la peau, pour éliminer, tu sais, pour la désengorger, pour qu'elle puisse éliminer, pour pas avoir de boutons, tout ça dans le rituel ayurvédique qui est notre rituel de base, c'est merveilleux. Ça En prend fait, trois produits. je compare le gua sha à un balai. Quand on nettoie le sol, on balaie les poussières. Ben, on fait la même chose au niveau du visage. C'est comme si on balayait, on fait le ménage et on retend, on relisse. Donc, vous allez voir, je vais aller jusqu'au rouleau gua sha, mais je vais commencer par le rituel de base. Donc, ça prend trois produits. L'huile de jojoba, qui est 10 $ ou 20 $ en format 100 ml. Moi, je vous propose de prendre le 100 ml parce que vous allez pouvoir en mettre et votre peau a besoin de cette huile-là.
même si elle est grasse, surtout si elle est grasse et si elle est fine et sèche, l'huile de jojoba équilibre la production de sébum. Donc, dans un cas comme dans l'autre, elle va aider. Donc, l'huile de jojoba, vous allez pouvoir vous en servir pour vos cheveux, pour vous démaquiller. Donc, 10 ou 20 $, mais moi, j'irai avec le grand format de 100 ml. L'eau florale de votre choix, eau de néroli, si vous êtes plus jeune, il y a une espèce vraiment chouette à l'eau de néroli. Eau d'orange. Eau de rose, eau d'orange. L'eau de camomille, si vous aimez la camomille et vous apaisez. Puis le gel d'aloès. Donc, le gel d'aloès, lui, c'est un gel de base. Donc, j'ai vaporisé, j'aime bien, surtout si on a une peau sensible, j'aime bien vaporiser mon eau florale et ensuite, je nettoie ma peau avec l'huile de jojoba ou l'huile de nettoyante, l'huile nettoyante, si vous avez l'huile nettoyante. Donc, on peut faire juste un nettoyage ou on peut en faire deux. Je vais vous montrer les deux. Donc, le premier nettoyage, c'est tout simplement avec l'huile de jojoba. Et on rince. Donc, et l'huile de jojoba va liquéfier le sébum, va calmer les glandes sébacées, va redonner à la peau. Si on manque de gras, donc si on a une peau sèche, si on a une peau alipique, fine, ça va aussi. Ça va plus loin que ça. L'huile de jojoba, en imbibition, on va désincruster les petits points noirs sur le nez, donc les ostéums qui sont bouchés, parce qu'il y a cet effet solvant. Donc, pour les personnes qui ont des petits points noirs, les adolescentes qui commencent les soins, vous pouvez vous faire une belle imbibition comme ça d'huile de jojoba. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça prend un peu de temps parce que c'est quand même très doux. Mais l'huile va avoir cet effet de solvabilité, donc de désincrustation. C'est comme ça qu'on utilise le terme cosmétique. Et nettoyer donc doucement, justement, les incrustations de comédon. Donc, on l'utiliserait comme ceci, l'huile de jojoba. Voilà. On vient travailler la zone de points noirs. On vient désengorger. Exactement. Parce que l'huile va liquéfier le sébum. Donc, va lui permettre d'être... De libérer l'ostéum folliculaire qui, de ce fait, une fois libéré, une fois purifié, va se resserrer. Donc, il y a un effet astringent, un effet purifiant. Mais aussi un effet préventif parce que quand on ne traite pas une peau séborrhéique et qu'on garde des points noirs très longtemps, les ostéums restent dilatés et à l'âge mature, ils sont encore là. Donc, c'est un petit peu plus difficile, bien que ça se fasse. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, j'ai tout simplement montré comment venir désengorger quand on a une zone à points noirs ou boutons, c'est la même chose. On va utiliser l'huile de jojoba et on va venir masser. Voilà. Et le gel d'aloès, lui, va avoir l'effet astringent. Donc, là, moi, j'ai fait un premier nettoyage. Je vous ai montré comment avec l'huile, donc tout simplement avec l'huile de jojoba. Je vous ai montré aussi sur la zone T ou à problème, comment venir masser, tout simplement avec l'huile de jojoba. Maintenant, je vais faire un deuxième nettoyage. Vous pouvez ou non. Donc, c'est si vous avez envie de venir, si votre peau est déshydratée, en fait, moi, je vous propose de voilà, le faire. C'est ça surtout. Donc, une peau qui n'a pas de problème, qui est normale, qui est belle, le simple nettoyage, le gel d'aloès et le sérum en scellant, c'est parfait. Mais si vous avez une petite condition, une peau déshydratée ou une peau un peu plus séborrhéique, à ce moment-là, faites-vous une imbibition composée donc d'un mélange du gel d'aloès, de l'huile de jojoba et de l'eau florale. Comme tu le fais, vous créez une émulsion, vous allez voir, ça blanchit dans la main et vous l'appliquez presque comme un masque. Donc, vous imbibez, vous saturez la peau et vous allez voir qu'elle va se détendre. Donc, la peau déshydratée va retrouver son pulpe parce qu'elle va retrouver de l'eau dans le gel d'aloès. Elle va être scellée par le sérum. Donc, elle va retrouver finalement son assise. Dans le cas d'une peau qui est plus séborrhéique, eh bien, vous allez avoir l'effet régulateur. Parce que le gel d'aloès, autant que le jojoba, sont des produits universels qui vont avoir cet effet d'équilibrant, de régulateur. Qu'on en manque ou qu'on en ait trop, ça va replacer finalement le film hydrolipidique à un équilibre et permettre à la peau de retrouver sa lumière, sa santé et sa beauté. Et on reste. Donc, Huguette, vous parliez, vous, pour les rides aussi, ce nettoyage-là, le deuxième nettoyage vient... Comme on combine huile et gel, vous allez voir, on utilise toujours les mêmes trois formules, donc pas besoin d'en avoir plus. Et donc, comme on combine huile et gel, la peau vient quand même boire cette eau-là. En plus que quand même. On élimine après juste le surplus. Et si vous avez une peau très déshydratée, moi, je retire avec une débarbouillette humide, mais si vous avez une peau
très déshydraté, retirer tout simplement avec une débarbouillette sèche. Oui. Donc, l'excédent et votre peau va garder, donc, et ne vous, la peau va quand même être nettoyée parce que l'huile liquifie et enlève les impuretés. Donc, en retirant à sec, vous allez être débarrassé de ces impuretés-là, mais votre eau va conserver ce qu'elle a de besoin. Donc, vous pouvez faire le oui. lien. À différentes intensités. Donc, je vais vous donner bon, ce que Jacinthe vient d'expliquer pour les peaux très fragiles. Oui, pour les peaux qui ne sont pas fragiles, qui sont séboréiques, moi, je privilège la serviette d'eau chaude parce que la chaleur va permettre une meilleure purification, donc une vidange. Alors, c'est là où se trouve la différence, c'est que dépendamment de votre condition de peau, vous allez découvrir qu'il y a différents protocoles que vous allez pouvoir adapter et personnaliser pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, la base, c'est toujours ce que Jacinthe vous montre, mais vous allez pouvoir identifier davantage vos soins en fonction de votre condition. Donc, si vous avez des retenues séboréiques, vous utilisez l'huile de jojoba, vous pouvez l'utiliser avec le gel qui va avoir un effet plus émollient encore, mais ensuite, appliquez-vous une serviette d'eau chaude et vous allez voir que l'effet est encore plus purifiant. C'est fantastique. Donc, et on travaille toujours avec les mêmes formules. Là, moi, mon nettoyage est terminé. J'ai vaporisé mon eau florale. J'ai appliqué une pompe de gel. Puis on voit là que la peau est occupée de boire ce jus d'aloès pur qui est composé de vitamines, d'enzymes. C'est extraordinaire sur la peau. Ça permet même à la peau le jet d'aloès pur, comme Nathalie le fabrique. Oui. Donc, avec du jus d'aloès et non de la poudre réhydratée. C'est vraiment du jus d'aloès frais. Le gel d'aloès permet même à la peau d'absorber les rayons UVA. Et le gel d'aloès va même aider à atténuer les taches pigmentaires. Oui. Donc, ça semble être un gel anodin. Mais c'est fou comme il est gorgé de composantes et il n'y a aucune huile essentielle dans ce gel. Quelqu'un demandait, est-ce qu'on peut utiliser un autre gel? Vous pouvez faire le même rituel qu'on fait là, peu importe votre huile, votre sérum, le gel, parce qu'on offre, je crois, 8 gels différents. Évidemment, on a tous les sérums, donc peu importe ce que vous avez à la maison, oui, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien montrer avec ces formules-là de base. Et ensuite, vous mettez, je veux juste, après ça, Nathalie, je te laisse parler. Vous mettez votre gel, pardon, votre huile de jojoba sur votre peau encore légèrement humide. Humide par l'eau florale et le gel, et c'est tout. Donc, oui. Voici le rituel ayurvédique et votre huile de jojoba donc, vient sceller l'hydratation tout en donnant à votre peau des carotènes, de la vitamine E, donc comme antioxydant. Donc, c'est parfait, c'est la base, il y a voilà. Pas d'essentiel. Et maintenant, pendant que toi, tu jases, que tu racontes ce que tu voulais raconter, je vais activer les circulations avec mon rouleau. Je vais commencer par celui-ci, tout doucement pour activer, réveiller la peau. Puis après ça, avec l'autre en bout, pour le contour des yeux et les rides. Puis après ça, je vais faire mon gua sha. Donc, qu'est-ce que tu as... La plus petite partie. Oui, quand on parle de gel, un gel, c'est quoi en fait? Ce sont des émulsionnants qui gonflent. Mais nous parlons bien du gel d'aloès. Il ne faut pas confondre, parce qu'il y a plein de gels différents sur le marché. Nous travaillons avec l'aloès. Et c'est l'aloès qui contient justement toutes ces composantes qu'on ne retrouve pas dans un produit cosmétique. Donc, on travaille avec des bases qui ne sont pas seulement que des bases. Quand on parle d'une huile, c'est pas seulement qu'une huile, c'est le jojoba. Quand on parle d'un gel, c'est pas seulement d'un gel, c'est de l'aloès. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence. Et si on vous montre ce protocole, eh bien, c'est relatif justement à l'aloès et au jojoba, qui ont des connotations cosmétiques incroyables. Donc, qui sont universelles, qui sont adaptées à toutes les conditions de peau, parce qu'elles ont une richesse qui est incontestable. Donc, les 300 molécules différentes qu'on retrouve dans le jojoba et les 500 qu'on retrouve dans l'aloès, c'est comme si vous vous retrouviez avec un produit extrêmement actif, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les cosmétiques. Et de l'appliquer, donc, comme on vous l'explique, eh bien, c'est de permettre à la peau de recevoir tous ces nutriments de manière tout à fait naturelle, sans avoir besoin de précipiter, de forcer, d'utiliser des courants ou des choses comme ça. Non, ça se fait naturellement et la peau en garde vraiment les bénéfices immédiatement. Et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, avec le deuxième embout, vous voyez, je repasse mes rides.
Puis le contour, des yeux, là, c'est magique, magique, magique. Donc, si vous aviez des yeux bouffis le matin, on appelle le rouleau qui dépoffe. Donc, c'est simple et on ne peut pas se tromper avec le rouleau. On l'a en quartz et en améthyste. La pierre, maintenant, elle, on vient gratter les tensions et ça fait du bien. C'est incroyable. Et les rides, ce sont des tensions qui sont inscrites dans le temps. Donc, moi, j'aime bien faire chaque mouvement 7 fois. On peut aller jusqu'à 20 fois. Puis, on va toujours du milieu vers... Tu sais, on lift oui. La peau. On est en train d'enseigner à la peau à venir garder À se lisser, et à puis on... garder... Voilà. Mais il y a deux propriétés dans le gua sha. La première, c'est ce que tu fais, le repassage, qui défripe, tout simplement. Donc, qui enlève la tension, qui enlève la contraction musculaire, qui se détend. Donc, forcément, le sillon, la ride ou la ridule vont avoir le même effet. Maintenant, il y a un effet à plus long terme que le gua sha, par stimulation. Et là, on parle de la pierre. Elle gratte, mais elle gratte en profondeur. Ce qui veut dire qu'elle va stimuler la microcirculation. Et on le voit par cet effet rosé. C'est excellent. Mais ça va aussi stimuler le relancement du collagène en profondeur. Parce que c'est ce que fait le massage. C'est ce que fait la stimulation. Par la nutrition, elle va avoir cet effet à long terme. Donc, vous avez un double effet. Vous avez l'effet immédiat. Et c'est ce qu'on recherche dans la cosmétique. Mais vous allez aller chercher un effet à long terme aussi. Et ça devient très intéressant. Oui, donc on gagne à prendre ce temps. Puis vous voyez que ce n'est pas très long. Puis on peut même le soir devant un bon film, une fois qu'on a appris les manœuvres, puis vous allez vouloir insister là où vous avez des tensions. Mais on oui. gagne à pratiquer cette gestuelle, ce rituel à tous les jours. Ah, vraiment, oui. parce que on enseigne à notre peau. Regardez, tu sais, moi j'ai envie de prendre de l'âge de cette façon-là en ah, enseignant tellement. ma peau à rester bien en place. Et je vais le faire tous les jours avec vous. Oui, c'est de l'aloe vera qu'on utilise. Oui, la pierre jade est en ce moment sur le site, donc c'est vraiment vert. Et on a le rouleau améthyste et le rouleau en quartz. Là, quelqu'un nous demandait si les pierres avaient différentes propriétés sur la peau. Oui, à ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas une experte en pierre. Pour moi... Tu devrais inviter un gémologue. Oui, mais pour moi, c'est que pour l'utilisation que j'en fais, que ce soit en quartz ou en jade ou en améthyste, je l'utilise et les bienfaits sont les mêmes sur ma peau. Donc, je n'ai pas besoin de tu sais, j'aime mieux parce que je sais qu'il y en a qui attendent le quartz. On l'aura, tu sais, avec la grève au port, ça se peut que ça prenne quelques mois. Moi, je n'attendrai pas et tu sais, parce ah, que il est beau, hein? Les bienfaits sont trop merveilleux sur la peau. Donc, ah oui. Il vaudrait la peine d'aller rechercher la symbolique du jade, mais je sais qu'elle a toute une histoire aussi. Hein. Ben, il y a autre chose que j'aimerais terminer aussi. Oui. C'est que quand on se fait du bien comme ça, il faut en profiter pleinement. Et j'aimerais vous intéresser à le faire dans un concept de temple. C'est-à-dire que nous sommes un temple. Nous avons... un amour pour soi, il faut se considérer. Et quand on se fait des soins bienfaisants comme ça, entourons-nous d'une ambiance bienfaisante aussi. Donc, quand vous êtes habitué à faire le protocole, oui, ça peut le faire devant le film. Mais moi, j'aurais tendance à recréer dans ma salle de bain un temple de paix avec lequel je vais mettre une petite bougie, mais une belle musique aussi, qui vient nous chercher. Vous savez, quand une musique nous plaît, on a des gloussis à l'intérieur. Eh bien, ces petits gloussis-là, là, croyez-moi que ça aide. Tu as 100% raison. Francine, vous pouvez les mettre au frigo. L'effet va être encore plus tonifié. Ah, oui. Moi, je vous dirais que je ne les mets pas au frigo, mais oui, on gagne à les mettre au frigo. Donc, un ou l'autre, mais oui, s'offrir ce temps-là. On va vous remontrer aussi les manœuvres avec les mains. Oui. Moi, je trouve vraiment plus facile avec les outils. Mais c'est sûr qu'on peut, tu sais, défaire les rides de différentes façons. Mais c'est pour ça. Et chacune fait du bien parce que c'est des tensions. Donc, on se fait un massage. On apprend à se faire un massage. Tout de suite, notre peau, elle est La heureuse. Peau est sereine. Elle est calme. Oui. Ouais. Et quand on parle du massage manuel, on parle de chaleur parce qu'on va utiliser notre propre énergie, notre propre chaleur
pour stimuler justement. Donc, on prend un petit peu plus de temps quand on se fait des massages manuels. Et justement, pour ça, donnons-nous du bon temps, Absolument. Pour du les lèvres, plaisir. vous voyez, moi, quand j'active, parce que oui, on peut parler aussi de la ride, puis on en parlera, on peut repasser avec le rouleau aussi, et avec la pierre. Mais vous voyez, moi, quand je fais mes pincements, que Nathalie m'a montré, ma peau est légèrement rosée. Oui. Ça, c'est chouette. Ça, Oui. veut dire qu'on. Ouais, allez-y pas, tu sais, faites-vous pas mal, blessez-vous pas, faut pas aller jusqu'à rouge. Mais quand on sent qu'il y a une activation qui est passée, on peut faire les points aussi de Les points de digitopuncture. digitaux. On va vous montrer tout ça dans les prochains jours. Moi, je me fais une cure en tierge avec vous sous vos yeux à tous les matins. Je voulais commencer par la base ce matin, donc le rituel de base. Écoutez, le gel d'aloès, c'est 29 $, c'est un 50 ml. Moi, je vous dirais, l'eau florale sont 20, 21, 22 $, selon l'eau florale que vous choisissez. Donc, on est à 50 $. Puis, si vous prenez l'huile de jojoba, vous pouvez l'avoir en 30 ml, je pense. Elle est 10 $, mais moi, je vous conseille vraiment de prendre le Ben oui, 100 ml, qui est 20 $. ben voilà. Donc, vous avez pour 70 $ un trousseau beauté extraordinaire pour retrouver votre confort de peau. Et un rituel, vous allez le faire matin et soir, qui va vous durer 3 mois. Vous allez pouvoir vous faire un masque avec le gel d'aloès aussi. Vous allez pouvoir le mettre dans vos cheveux, l'huile de jojoba aussi, vous démaquiller avec. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Autant l'un que l'autre, hein. Ce sont d'excellentes bases que vous allez pouvoir développer, même agencer si vous voulez. Vous allez pouvoir les aromatiser par la suite, les mélanger ensemble, comme on le fait pour le nettoyage, mais ça peut aller chercher d'autres routines. Donc, quelle excellente idée de commencer avec cette base. Le rouleau, il est autour de 40 $, mais je me souviens plus. Et la pierre, elle est 15 $. Puis on a là, je ne sais pas si on a un ensemble. Faudrait voir sur le site si on a les. Oui, tu vois, moi, Mais. je considère un petit peu la température du gua sha un peu comme de la cryo. Donc, ça travaille avec le froid aussi. Le contact du froid, c'est comme le chaud. Ça crée aussi une stimulation. Oui, absolument. Donc. À suivre pour les prochains. On se retrouve mercredi avec Nathalie, mais moi, je serai là demain matin. Voilà. Puis oui, on va parler aussi du contour des yeux, mais avec toutes ces formules, vous pouvez aussi travailler le contour des yeux. 44 $ le rouleau. Merci, Ah, Josée. voilà. Donc, 44 et 15. Et ce sont des outils qui vous restent pour la vie. Puis comme le disait Nathalie, vraiment performant. Tu sais, toi, tu avais des machines Ben dans oui, ton institut. écoute, j'avais des Écoute. machines, puis je forçais pendant 2 heures à essayer d'aller chercher du résultat. Et puis toi, t'arrives avec le gua sha, c'est comme. C'est vraiment Pour chouette. une esthéticienne, ça peut être très frustrant parce que les résultats sont tellement puissants qu'on se demande encore si ça vaut la peine de continuer avec des appareils, vu qu'on a des résultats aussi bienfaisants, naturels, sans effets secondaires. C'est magnifique. Moi, j'ai envie, tu sais, qu'on vous montre. Moi, pour moi, ça, ils font vraiment la différence, mais j'ai envie aussi qu'on vous montre avec les mains tout ce qu'on Ah peut oui. faire, puis garder vraiment. Alors, Avec les mains et le sourire, s'il vous plaît. oui. Merci Nathalie, Bonne merci tout journée à le monde, bonne vous, journée. bonsoir.